Nous sommes dans la troisième année avec le fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics. Et vous n'êtes pas sans savoir que la formation des acteurs de la concurrence est une mission qui incombe à l'autorité de régulation des marchés publics. Alors, après avoir formé l'autorité contractante, les opérateurs économiques et les représentants de la société civile, nous avons trouvé opportun de former en matière de marché public les différents corps des représentants des deux corps de contrôle de l'État, à savoir la Cour des comptes, l'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances, l'inspection générale du trésor, le contrôle financier. Les personnes qui animent ces structures sont appelées à contrôler les moyens où les dépenses sont effectuées dans le cadre de l'exécution des marchés. Et il est normal que ces personnes soient appelées aux procédures des marchés publics de manière à mener plus efficacement leur mission. Concrètement, en quoi cette formation pourra impacter leur emploi? Ils avaient déjà des connaissances, d'importantes connaissances en matière de contrôle. Mais les marchés publics, notamment les différentes procédures, le cadre réglementaire et institutionnel, c'est là que lorsqu'ils vont maîtriser ces questions, ils effectueront les orientations de la mission qui leur donne. Quels sont les modules qui seront? Les modules. Vous avez des modules qui concernent notamment ce que je viens de dire, les différentes procédures, le cadre institutionnel et réglementaire, les différents. Pour pouvoir détecter des conflits d'intérêts ou des astuces que les gens pourraient utiliser dans le cadre de l'exécution de ces marchés. Les marchés publics des différents corps de l'État. C'est dans cela que le fait qu'ils maîtrisent mieux les procédures en matière de marché public amènera les autorités contractantes et que ces personnes vont contrôler à mieux maîtriser eux aussi les procédures et que le travail se fasse au mieux. Merci.